Y'a les potes, la forme ou quoi? On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo news sur Dragon Ball Z de Kan Battle. Alors aujourd'hui les gars, on a eu plein de nouveautés qui sont arrivées donc sur la version globale et sur la version Java. Enfin, plein de nouveautés, tout est relatif, je vais vous expliquer tout de suite ça. Du coup, on a le portail que vous voyez ici qui va arriver sur la version globale. Donc c'est le portail de Tapion, c'est un portail SSR x2. Donc je vais vous montrer plus en détail. Tac. Donc sur la JAP, il l'avait eu à Noël. Donc ils avaient eu deux Santaroshi, donc les Kame Sennin de Noël, pour chaque multi invocation. Donc à chaque fois que vous faisiez une multi, vous en récupérez deux. Je pense pas qu'on va l'avoir là, peut-être on aura un vieux Kai, hein. Un vieux Kai, je pense qu'on en aura un. On a un taux de 20% du coup, et maintenant ce portail est devenu assez intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a pas mal de LR qui sont sortis. Donc sur le détecteur, on va avoir alors le Tapion Tech, le Tapion AJ. On va mater rapidement ces deux unités. Donc on a le Tapion AJ, leader pour la catégorie géant. Donc 150% attaque, PV et défense pour tout ce qui est géant. Donc Namek géant, Ozaru, donc 5 géants, etc., etc. Alors son attaque SP inflige des dégâts immenses et diminue l'attaque. C'est une excellente unité. Passif réduit de 50% les dégâts subis. Et attaque plus 150% et défense plus 50% c'est PV. À 50% ou moins, donc ça devient un cogneur quand, quand vous passez en dessous de la barre à 50% de PV. Et si PV à 50% ou moins, le saut du monstre s'ouvre une fois, donc Hildegarde apparaît. Et voilà, on a le petit Hildegarde qui esquive tous les coups. Bon, en soi, quand on est en forme géante, de toute façon, on est invincible, donc ça sert un peu à rien, mais bon, il esquive tous les coups. Et alors, la petite différence avec les autres Ozaru, c'est qu'il a un boost sur son attaque SP, il augmente fortement l'attaque plus 50% à chaque, quand il part en SP. Donc c'est pour ça qu'il fait des gros dégâts. C'est une excellente unité. Après, vous allez voir que la team Ozaru sur le papier, elle est vraiment naze. C'est dommage, cette unité-là peut rentrer dans la super AJ, hein, peut rentrer dans la super AJ. Il est très fort, mais bon, au bout d'un moment, je pense qu'elle va bouger. Donc pour l'aile, on a Guerrier Vétéran qui est excellent, attaque plus 10%. Duo de Rivo qui est un peu plus compliqué à proc. Récupération dans la team AJ, ça va être compliqué aussi. Agrandissement dans la team Ozaru. Et combat acharné. Donc voilà, pour ça c'est plutôt pas mal. Après on va passer vite fait au tech. Alors le tech, alors il a un petit leader qui plus 3 PV attaque et défense plus 50% pour le super tech. Sinon qui plus 3 simplement. Dégâts colossaux diminuent l'attaque, c'est pas mal. Attaque et défense plus 80% au début du tour. Il peut critique à hauteur de 25%, ça veut dire une fois sur 4 il va critique. Et il change de sphère de ki puis en sphère de ki rainbow. Donc avec le Goku SCJ 3 tech à côté, il est très bon. Il permet au Goku SCJ 3 tech de monter très haut en attaque. Vu qu'à chaque fois qu'il récupère une boule de ki rainbow, il augmente son attaque de 20% si je me trompe pas. Donc tu peux en récupérer 3 max. Ça fera du 60%, ce qui est pas négligeable du tout. Pour les liens, donc on a Guerrier Vétéran aussi. Récupération, combat acharné. Voilà. Rien qui casse 3 pattes à un canard, mais sinon au niveau des mêmes, sinon l'unité en elle-même est excellente. Ah, et bien sûr, la catégorie, j'ai oublié d'en parler, on a la catégorie ressuscité, donc dont le leader est Golden Freezer Hint. On revient sur le portail, donc, et maintenant, vu que on a pas mal de LR qui sont sortis, vous avez, donc hors détecteur, on a un petit bon taux quand même de choper des LR. Voilà, il y a le Trunks, il y a le Mighty Mask, il y a le. Il y a le Zama Black, il y a le Broly, il y a le Majin Vegeta, il y a le Gohan. Donc voilà, on a pas mal d'unités maintenant. On a le Bojack aussi. Et puis on a des unités qui sont hors détecteur qui sont excellentes, comme la Kefla, comme le Boo, le Super Boo End, ou comme le Bardock Timebreaker. Donc ce portail-là, une petite multi dessus si vous avez des DS, ça fait pas trop de mal. Ça fait du bien. Et on a. Alors, on a aussi le. Donc ce portail là sort le 25, le portail que je vous ai montré avant avec Tapion. Il sort le 25 et après normalement le 4 juin, si je me trompe pas c'est le 3-4 juin, on a le Badak SCJ3 qui sort. Alors le Badak SCJ3, voilà le portail. On a le Golden Freezer qui je pense va changer vu qu'on l'a eu avec le Goku Ultra Instinct il n'y a pas longtemps et le Jiren. On a le Badak SCJ3, on a le Goku SCJ3, Neo God, le Vegeta Int, le Ikari, le Vegeta et puis le Janemba Int. Alors moi je n'invoquerai pas dessus je pense. Alors ce qui m'intéresse c'est quoi? C'est d'ailleurs on a un nouveau LR, hein, j'ai oublié de le dire. Comment ai-je pu oublier? On a le Goku SCJ 3 Tech qui arrive. Excellent Neo LR. Le plus gros cogneur, tout simplement. Le plus gros cogneur des LR. Donc, voilà. Gohan LR peut aller se rhabiller.
Alors, on a du guerrier vétéran, du super saiyan, combat décisif, briser la limite pour voir légendaire pour ce qui est des liens. Pour le boost, on a défense plus 120% au début du tour et quand il part en spé ultime, il a attaque plus 180% et défense moins 70%. Donc, il a un boost de 50% en défense et 180% en attaque lors d'une attaque spéciale. Pour les catégories, donc on a la SCJ3, la nouvelle avec Badak. On a catégorie Saiyan 200 pur, donc la nouvelle avec Vegeta. Et puis voilà, ça fait plaisir ce petit nouveau LR. Après, on a donc ce Badak qui est disponible sur le portail de Badak SCJ3 qui se dokan. Donc en Badak SCJ3, un SR qui se dokan. Bon, ça, ok, hop, c'est parti. Excellente unité. D'ailleurs, j'ai fait un test 100%. Vous l'aurez dans la petite fiche, le I là en haut à droite. Donc attaque plus 80% et défense plus 80% pendant 5 tours. Des excellents liens guerrier vétéran, combat décisif, combat acharné, super saiyan, ras saiyan, un arbre de rang A. Vraiment une unité à avoir. C'est... Il a deux catégories en plus, il a Super Saiyan 3, catégorie ressuscité et Saiyan 200 pur, puisqu'il y a le Vegeta maintenant. Donc vraiment excellent unité. Si j'invoque sur ce portail, c'est vraiment pour avoir des SR Badak, je pense. Alors le Badak SCJ3, donc le Ink, le Dokkan Festival, il est ici. Petit plus 3, PV plus 130%. Attaque et défense plus 170% pour la catégorie Super Saiyan 3. Sinon pour le type Super Int, qui est plus 3, PV, attaque et défense plus 90%. Ce qui est excellent. Spé, dégâts immenses et une chance sur 2, enfin une chance sur 3 à peu près de bloquer l'attaque spé 30%. Ils auraient dû bloquer l'attaque spé à 100% maintenant parce que... Et les boss aujourd'hui, ils ont la... De toute façon, vous pouvez pas lui rebloquer l'aspect, donc ça c'est un peu dommage. Après, sur son passif, attaque et défense plus 100% lors d'une attaque spéciale, c'est très bon. Mais si l'adversaire tape avant, donc vous n'aurez pas le temps de déclencher votre attaque spéciale. Et à la fin, vous allez vous prendre masse dégâts parce qu'il n'est pas parti en spé, il n'a pas mis son boost. Et par contre, attaque plus 40% pour tous les alliés de la classe super, CPV à 70% moins. Ça, c'est vraiment ouf, 40% de boost. Vous imaginez un Gogeta Int avec 40% de boost ou un Goku CJ3, ZTUR, pff, il va arracher. Il va vraiment arracher. D'ailleurs, n'hésitez pas à checker le wiki, merci à eux pour les infos et au leaker pour les données. Donc pour les liens, on a pareil, excellent lien, super saiyan, paré au combat, guerrier vétéran, le premier AV, combat décisif, en brise en limite, combat charné. C'est vraiment une excellente unité, vraiment une excellente unité ce Badak. Après, les places en in sont chères, par exemple si vous avez le VB Tech, donc le Vegeto Blue Tech, en int on a du Gogeta, on a du Migate no Goku et donc le Goku Ultra Instinct, on va avoir le Vegeto LR. Donc les places en int sont assez chères dans une super int bien sûr qui rentre. Mais derrière c'est vrai que c'est assez compliqué de le placer. C'est assez compliqué sachant que son passif il s'active en tout 70% des PV même s'il est excellent. Ça en reste néanmoins on peut l'utiliser en flotteur. Donc une unité qui va tous les 3 tours en tant que support. Il boostera très bien et il fera très bien le taf au niveau du tanking parce que il y aura personne qui. Il n'y a qu'en première position que l'ennemi peut vous attaquer en premier. En dernière position, vous allez forcément activer l'attaque spé avant de recevoir les dégâts. Donc voilà ce niveau-là. Alors, très important aussi, on a eu sur la JAP. On a eu sur la JAP. Bah, tout simplement, des leaks concernant le Trunks LR qui va sortir. Donc, un Trunks LR qui va être gratuit. Donc, une nouvelle unité gratuite, ça fait plaisir. Apparemment, il serait de type puits. Apparemment il y a des rumeurs comme quoi elle serait type puits sur le Reddit etc. Je ne sais pas ce qu'il en est. En tout cas ça fait plaisir. Une nouvelle unité à fin. Une nouvelle, totalement gratuite. Un nouveau LR. Est-ce que ça sera un truc différent des LR qu'on a eu. Parce que sachant que le Goku LR c'était un boost d'attaque en point fixe. Pareil pour le Freezer. Boost d'attaque en point fixe et défense. Pour le Satan LR c'était un boost de défense en point fixe aussi. Ça a toujours été des points fixes, les unités gratuites. Et pareil pour les Cyborg LR, des points fixes. Donc, je me fais pas d'illusions. Je pense que ça sera un boost en points fixes pour celui-ci. Mais si jamais la boost en pourcent, ça sera assez ouf. Parce qu'un boost en pourcent sur un LR, les gars, même si c'est du 70%. On a vu le avec Vegeto Blue LR, hein, du 80%. Même la première SP, il dépasse les 1 million largement. Donc, les LR à 100%, vraiment, même un petit boost de 70%, c'est ouf. C'est vraiment ouf, vu les stats qu'ils ont en attaque. Voilà, très content, très content. Après, on a déjà un Trunks LR, donc le N qui n'est pas gratuit. Je pense qu'ils porteront le même nom, donc on pourra pas mettre les deux dans la même team. À voir, hein, peut-être que je me trompe. Peut-être que je me trompe, à voir.
Mais donc voilà pour ces petites vidéos les frérots, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez kiffé, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis je vous dis à la prochaine pour une vidéo ce soir live comme d'habitude, n'hésite pas à activer les notifs. Et puis je te dis à la prochaine, ciao.